Ça fait 5 ans que je dis qu'on va dans le mur. Alors quand on va dans le mur, ça fait mal. Mais il pouvait changer à tout moment. On pouvait, après les municipales, modifier les choses. On pouvait, après les régionales, modifier les choses. On pouvait ne pas faire la loi El Khomri. On pouvait ne pas faire le CICE. On pouvait ne pas s'engluer dans l'histoire de la déchéance de nationalité. On avait tout, la gauche, en 2012. Tout, absolument tout. Le Sénat, l'Assemblée, les villes, les régions. Et Hollande nous a tout fait perdre. Hollande, pendant 5 ans, a trahi la gauche. Et pendant 5 ans, la gauche, au lieu de faire une politique de gauche, elle a fait une politique de droite. Et quand on fait une politique de droite, on perd comme on vient de perdre. J'ai essayé d'éviter ça avec toute la gauche socialiste pendant 5 ans. J'ai essayé d'éviter cette catastrophe. Mais qu'on vienne pas nous dire que c'est à nous la responsabilité, comme le monsieur vient oser me le dire. Mais ça prouve qu'on a été entraîné par la marée. Ça prouve pas du tout que c'est notre politique qui est en cause. La gauche socialiste, elle a tout fait pour éviter ça. Tout fait. Et si on va dans le mur, demandez pourquoi à Cambadélis. Si on va dans le mur, demandez pourquoi à Hollande et à Valls. Si on va dans le mur, demandez pourquoi à Marisol Touraine. Elle passe à travers les gouttes, mais je m'étonne. Pourquoi? Il fallait embaucher des dizaines de milliers d'infirmières au lieu de donner des milliards au patronat. Il fallait effectivement faire de l'emploi public au lieu de prétendre faire de l'emploi privé par le biais des grandes entreprises qui n'en ont rien fait. Alors il faut pas confondre. C'est pas la gauche qui est en cause. C'est ce que la droite à la tête du Parti Socialiste a fait pendant 5 ans qui est en cause. Tu dois quitter la tête du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Mais écoutez, on va rénover ce parti, non? Il dit qu'il veut changer le nom. S'il laisse le nom, je le reprends. Parce que moi, je suis socialiste, vous comprenez? Mais pas socialiste comme il disait à la Macron, à la Hollande, ni à la Valls. C'est ceux-là qui doivent effectivement dégager, si le mot dégager a un sens.